Il y a quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Amen. Amen. Avant, parce que les gens ont peur des sorciers. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Tu m'as dit sorcier. Sorcier de mon camarade. Quels sont ceux qui ne m'ont pas attaqué pour ça? Maintenant, je suis un messager, il a dit, toi, j'étais choisi pour parler de ça. Amen. Pour dire, sorcier là même là. Il y a son calmé. Amen. Amen. Alléluia. Sorcier même là. Il y a son calmé. J'étais un messager de Dieu. Je suis moi, je lui dis. Je ne suis jamais né à l'église. Je connais Jésus tout récemment. Comme vous. Je l'ai accepté comme moi. Mais en même temps qu'il m'a sauvé, il m'a choisi pour un message. C'est tout. Donc je le respecte. Pour ça. Ah. Sorcier. Est-ce que tu connais sorcier? Sorcier s'amuse pas. Toujours les messages pour moi. J'ai dit, mais sorcier s'amuse pas. Il y a son calme ou il n'y a pas son calme. Tu vois, les gens, ils remettent la tête. Sorcier, vas-y, sorcier même. Mais sorcier même, si tu les moyens. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui combat contre eux? La Bible dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est tout. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est pas une question de crasso. L'Éternel te donnera ta victoire sur tes ennemis. Amen. Je suis un instrument. Si un arbre te parle, tu vas fuir. Ou bien, si elle commence à te parler comme Moïse, le buisson, tu vas fuir. Donc Dieu utilise les gens pour vous parler. Je suis un messager de Dieu. Ça s'arrête là. Vous vous dites que la sorcellerie, il n'y a rien dedans. Attends, il n'y a rien. Sorcier. Ce qu'ils m'ont montré la dernière fois. Voici ce qu'ils m'ont fait, voici ce qu'ils m'ont fait. Je lui ai dit, attends. Ils t'ont fait ça, ils t'ont fait ça. Parce que toi-même, tu n'avais pas le calme. C'est là qu'il finit par comprendre que, ah, ce que le prophète entend de dire, l'index, c'est vrai. Hein? Ben oui. Sorcier, nous connaît. Si toi tu vis ensemble, loue le Seigneur, il est vivant. La femme du voisin, tu la cherches. Sorcier va manger. Qui? Elle fout tout, banane mieux. Non, ça c'est. Mais... Bah. Et bien sûr, encore. Le coup soupe. Montrer que même tu n'es rien. Si encore là, c'est terrible. Le coup soukoué, c'est terrible, hein? C'est matin. Banane nuit, bizarre, façon ça pourrit, là. On pique ça, choco, reste pas. Quand tu finis le sommeil de ça, tu fais des visions seulement. Alléluia. Amen. La seule personne qui peut te protéger, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est de Jésus, les gens peuvent. C'est tout. Tu vas aller en Chine, tu vas aller en Inde, c'est zéro. Ils n'auront jamais peur d'eux. Et on te regarde, on te dit, mais attends, vous t'es parti, non, on est terminé. Et vous savez qu'il y a une différence entre le fétichisme et la sorcellerie. Vous savez ça? C'est ce qu'il enseigne aux gens. Il dit, quand il dit aux gens que les didas sont puissants en sorcellerie, les gens disent, mais et au coro, à coro, c'est les féticheurs. On dit qu'elle est dépris. Les sorciers ne parlent pas, eux ils ne veulent pas vous se démontrer, ils ne font pas faire des générations, eux sont dans leur coin, mais les attaques sont efficaces. Vous voyez, vous avez une famille, on dit, non, nous tous les sorciers, dita, on va faire fin de génération. Qui va aller assister ça? On va vous faire sortir les marmites, comme on prend les fourchettes. Personne ne va assister à la réunion. Mais les gens assistent pour faire des petits prix. Parce que les gens arrivent à s'expliquer, c'est un fétiche. Fétiche, on pique le ventre, tout ça. Donc, fétiche et sorcellerie, c'est fétiche, sorcellerie qui est grand frère des fétiches. On peut donner des porches, les talismans, puis tu peux peut-être avoir un démon sur toi dans les reins, puis tu n'es pas, peut-être n'es pas être sorcier. Mais la sorcellerie, c'est un pouvoir qu'on a, c'est dans le corps. C'est la capacité de voir ce que l'autre là devant devenir, puis tu gâtes.
C'est ça le problème de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu sais qu'il va devenir, mais tu ne peux pas l'aider, tu gâtes. C'est ça que vous devez savoir avec qui vous marchez. Non, moi je suis arrivé à un stade aujourd'hui où celui avec qui je marche, je cherche à savoir qui il est. Si vous ne cherchez pas à savoir qui il est, il va vous gâter. N'est-ce pas? Quand quelqu'un avec vous, étudiez-le. Prenez la peine de l'étudier. Ce n'est pas mauvais. Prenez la peine de l'étudier, les pas. Je ne peux pas comprendre que vous l'étudiez. Mais vous devez savoir qui marche avec vous. Qui est dans votre intimité. Si vous ne savez pas qui il est, lui il sait ce qu'il est en train de faire. Lui il a une mission. C'est toi qui l'ignore, mais lui il ne t'ignore pas. Il a une mission. Peu importe le temps, ils sont bien patients. Prouver qu'ils te mettent à terre. Vous voyez, c'est sa mission. C'est pour ça que quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir. Si tu veux te confier à quelqu'un, il faut être convaincu que le monsieur à qui te confie, il peut même mourir pour toi. Oui. Il y a les gens qu'on appelle les intimes. C'est-à-dire eux, là, quel que soit ce que tu es, ils sont toujours prêts à te défendre. Parce que l'homme est versatile. Tous nous les noirs, on est tout, on est comme ça, comme ça, comme ça. On est trop versatile. Il y a des gens qui ont en eux l'amour vrai. Tu leur donnes rien, mais t'aimes. J'ai vu mon fils Domi d'Italie, il a bien été présenté. Je vois, c'est un fils. Je n'ai jamais rien donné, mais il m'aime. J'étais aux États-Unis quand les gens m'insultaient. Parce qu'ils voyaient que j'allais rentrer. J'allais rentrer à l'ONU, on allait me nommer. Donc les gens commencent à m'attaquer. Je suis remonté. Eux-mêmes, on les m'appelle pour dire, mais attends, on t'a insulté sur Facebook. Tu as fait quoi? On m'a traité des temps. Oh, j'avais en quelques jours une nomination. Et les gens commencent à m'attaquer. Mais ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a permis de connaître les vrais enfants et les faux enfants. Amen. Où il est? Monsieur. Il a fait au Mali, mais. Les enfants ont riposté en même temps. Boum, ils ont commencé à parler. Chacun commençait à dire, non, attendez, vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes Congolais, l'autre est Camerounais. Vous vous mettez aux États-Unis là-bas. Vous vous mettez à Paris pour insulter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez mené quelle enquête? Sur lui, vous êtes venu où? Vous l'avez rencontré? Si, même s'il est mauvais, toi tu es homme de Dieu. Est-ce que tu l'as approché pour lui dire ce qu'il fait en face? C'est mauvais, il n'a qu'à se convertir. Ben oui. Si moi je sais que toi tu es dans le faux, je t'approche pour te dire, de vive voix pour dire, j'ai posé au moins un acte pour te sauver ton âme. À m'arrêter juridique, c'est une diffamation. C'est ce qu'on appelle diffamation. Il le sait très bien. Je suis mauvais, c'est ce que tu dis. Mais tu m'as une fois approché en tant qu'homme de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les mauvais. Mais est-ce que tu m'as une fois approché pour dire, toi mauvais là, je viens à cause de toi. Parce que tu es dans le faux, je viens t'affronter pour te dire, toi, c'est de Dieu. Tu viens de faire? Jamais. Donc les gens, ils ne sont pas bêtes. Les blancs, vous voyez là, je loue le Seigneur parce qu'il est blanc. Et ils analysent. Quand vous parlez mal de quelqu'un, et ça leur permet d'étudier pour qu'on l'attaque. Les blancs, là. Ils sont très intelligents. Quand les gens commencent à t'étudier, ils te disent, mais lui, il est bon. Hein? Il y a quelque chose. Et puis, ils étudient, ils disent, viens, mon petit. On acclame le Seigneur. Italien, on s'est déjà vu à Verbania. C'est un de mes fils. C'est mon fils spirituel. C'est pas un de mes fils, c'est mon fils spirituel. Si tu as affaire à Crasso, il va t'attaquer. Non, lui, il est prêt même à faire le bon yaga. Mais oui, c'est la vérité. Je l'ai vu. Il dit non, nous, mais en fait, faut pas parler. Nous, en fait, on parle. Faut laisser ça. Nous, on sait qui tu es. C'est ça. Les gens savent qui est le prophète Crasso. Il a perdu de sa belle-mère. Yako. Tu sens dingue, hein? Tous les trucs, toi. Vous allez le tuer. C'est à cause de vous, les gens se fatiguent pour aller traverser l'eau. Mais quand vous venez, là, vous préparez ça. Oh.
Ce qu'il a apporté là, c'est grave. Moi, j'ai vu. Ça va? Tu y as, hein? T'entends de tuer. Tout ce qu'il a apporté, c'est trop cher. J'ai vu la montre qu'il a apporté là, c'est trop grave, c'est trop terrible. Amen. Amen. Donc, ils savent ce que le prophète Crasso apportait à leur vie. C'est à cause de nous, ils ont eu confiance en l'Afrique. Il est venu. Attends. Un monsieur qui nous dit de venir en Afrique, un monsieur qui nous a jamais d'aller chez un marabout, un monsieur qui nous a dit d'aller chez un féticheur, pourquoi vous le traiter d'un féticheur? Vous avez quelle preuve qu'il est féticheur? Vous avez quoi? Bon, si le féticheur qui parle mal de Dieu, qui se met à l'habit de prophète, pourquoi vous ne l'approchez pas? Venez, allô, je veux une audience avec toi. Venez l'affronter pour dire, je l'ai approché. Comme je veux le sauver, je l'ai approché pour lui annoncer l'évangile. C'est vous qui servez Satan. Moi, je sais quels sont ceux qui sont derrière vous. Je sais comment la franc-maçonnerie vous soutient pour éteindre le ministère des gens. Mm-hmm. Plus j'ai mal parlé de moi, Dieu m'élève. Amen. Ils sont étonnés que j'ai dit que j'ai rempli ça de 3000, 4000 personnes. Ils sont étonnés. Je ne suis jamais allé à Abidjan. Moi, une fois, j'ai fait problème à Abidjan. Non. Les gens m'appellent, me disent, mais attends, depuis quand tu fais? Je dis, mais je suis affecté à Divo. Je suis à mon lieu d'affectation. Pourquoi ne me laissez pas à Divo? Non. Je pars en Europe pour les mobiliser à venir. Pendant 3 ans, on a ici plus de 6000 personnes venant de la diaspora qui ont cherché la délivrance ici. Donc, on a compris qu'eux étaient beaucoup attaqués. On a mis l'évangélisation pour venir. Beaucoup, hein? Hein? Il y a quoi? Oui, la famille, venez. Il faut présenter la famille. On va faire un yako. Mon problème maintenant, j'écris beaucoup la nuit. Je suis fatigué. Oui, ça va sortir. Vous serez le livre, ça va beaucoup. Vous serez le livre. Ancien. Tout le monde sent bengue. Là-bas, ça ment pas, ou bien? Yako, ils ont perdu. Il a perdu sa mère. C'est mon fils. On s'est déjà vu. Et je suis convaincu qu'il m'aime beaucoup. En même temps, il aime le Seigneur. Parce que je l'ai aidé dans sa foi. Il y a des gens que j'ai aidés dans leur foi chrétienne. Parce que bien qu'ils soient chrétiens, j'avais peur de la société. Mais je leur ai dit dans la foi chrétienne. Et donc, il a fini par comprendre que ce monsieur doit être mon père spirituel. Parce que ce dont les gens ont peur, lui parle de ça, parce qu'il a une expérience avec Christ. Amen. Voilà, donc vraiment que Dieu bénisse, que Dieu vous protège, bon séjour à vous, mais doucement en Côte d'Ivoire. Vos histoires, vous portez les chaussures, les chaînes. Tout à l'heure, je te présente aux gens de ministère. Mais il les connaît même. C'est quelqu'un même qui connaît tout le monde. Il sait, il connaît Pasteur Philippe. Il connaît tout le monde. Ici, là, rien n'est caché. C'est ça le problème. Ceux qui disent son petit chèque m'insultent là. Ils n'ont pas montré leur maison. Nous aussi, on connaît tout le monde. On connaît Pasteur Philippe. On connaît le Pasteur Serge. On connaît tout le monde. C'est ça que nous, on file notre truc. C'est pas caché. En quoi c'est mauvais? Nous, on ne cache rien. C'est ce qu'on appelle le mysticisme. C'est ce qui est caché. Mystère. Mystique, les mystiques. C'est-à-dire qu'il cache. Moi, je cache quoi? Rien. Si tu n'es pas sorti, tu ne parles pas. Il dit, il faut partir. Je ne force personne. Il n'y a rien de montage dans ce qu'on fait. Vous allez bien, un pasteur, aller tuer un dragon. Moi, je l'ai fait. Allez demander à Gros. Ce qu'il a fait là, si c'est montage ou c'est vrai. Les gens disent, non, il force les gens à parler. Mais pourquoi vous ne parlez pas du serpent quand il a tué à Gros? Pourquoi ne parlez pas de ça? Ça, là, vous fermez la bouche, c'est ça. Le serpent qui tuait les gens. Nous, on allait mettre fin au pouvoir du serpent. Amen. On a tiré le dragon. Oh, merci. Pourquoi vous les noirs, quand quelqu'un, Dieu l'utilise puissamment pour le réveil, la conscience africaine, vous le tuez. Vous voulez forcément le détruire. C'est dans nos sangs la jalousie. Tous ceux qui se sont levés pour la conscience africaine, pour que Dieu apporte le réveil en Afrique,
On est toujours tué. Moi, je suis pas dans la politique, mais je suis dans la spiritualité. Moi, mon combat, il est spirituel. Je suis pas dans vos histoires des menteurs, politiciens menteurs. Moi, je vous indexe les choses spirituelles. C'est pour ça que nous, les Africains, on est beaucoup en retard dans beaucoup de domaines. Parce qu'on n'aime pas l'autre. On aime se mettre ensemble, on est hypocrite. Moi, j'ai plus peur d'un hypocrite que celui qui ne m'aime pas. J'aime celui qui ne m'aime pas. Bah, au moins, il a déclaré ça. Mais il est toi. Oh, il ne t'aime pas. Bah, il faut, hein, bah, il faut. Ça, c'est le prototype du noir. Tu es surpris que celui qui t'a aidé là, c'est celui qui lève contre toi demain. Vous prenez votre argent, vous donnez aux gens qui ne sont même pas amusés, ils ne savent pas dire merci. Pourquoi même on est comme ça? C'est eux qui savent qu'ils ont un problème. Quand tu leur fais moins, c'est les noms disparaît. Mais quand tu lui dis, mais tu ne m'as pas dit merci, ah non, j'ai retiré, mais j'ai oublié de dire merci. Mais quand tu n'avais pas l'argent, tu m'emmerdais pour ça. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi on est comme ça, nous les Noirs? Aucun chez l'argent, il t'amène. Tu ne dois pas, il t'accède. C'est un accèlement. Maintenant, quand il a l'argent, même merci, il a retiré, c'est même pas s'il a retiré. Bon, attends, l'argent là, tu as retiré où? Bon, j'ai oublié de te dire. Mais quand tu as un problème d'argent là, tu m'amènes. Tu vas comprendre que deux jours, tu n'appelles plus. Ah non, ça veut dire qu'il a retiré. Allô? Lui-même, il voit, il ne décroche pas. Allô? Parce qu'il est en train de boire bien. On est sociaux. Hein? C'est pour ça que, frère, il ne faut pas travailler pour les gens. Chacun d'entre nous a sa destinée. Vous avez une destinée. Nous avons tous une destinée. Si tu as échoué sur mon courant de vous, ça devient de l'esclavage satanique. Je peux t'aider. Je ne te prends pas en charge. Je suis désolé. Moi-même, je souffre. Le Seigneur Jésus est là pour te délivrer de la souffrance. De toute façon, il m'a délivré. Il peut te délivrer de la souffrance. Je ne suis pas Dieu. Tout votre argent, vous les jetez. Parce que mon frère vient de faire un enfant. Sa femme a fait un enfant. C'est toi qui as fait le trousseau. Il y a un monsieur inconscient. Les yeux de ses reins, c'est toi qui vas venir donner l'argent. C'est rien. C'est toi qui as venu donner l'argent pour l'enfant. Bon, tu as donné là. Faut le nommer la foi. Hein. Parce que tu as commencé, tu vas achever ce que tu as commencé. Non, ma soeur à Paris. Elle a Lyon. Elle a Marseille. Elle a. Mais attends. Ça veut dire quoi? Et il prend ça pour attraper les filles du quartier. Et toi-même, qu'est-ce que tu fais pour la famille? Quand Dieu t'a mis au monde, il t'a donné une destinée. C'est-à-dire, quand Dieu t'a créé, il t'a donné une destinée. Qu'est-ce que toi-même tu fais sur cette terre? Si tu es inutile, mais ce n'est pas la peine d'emmerder les gens. Il faut te rendre utile sur cette terre. On se bat pour ça. C'est parce qu'on est bloqué qu'on cherche Jésus. Ou bien, sinon on allait. Il faut aller à l'église ici. Si ça, c'est ne nous attaque pas, on va aller à l'église. La gosille, c'est parce que les sorciers sont là. Ou bien, la gosille, les sorciers sont là. Ils ont taillé les temps, ils veulent manger. Ils ont déjà loupé à 6 temps, tout ça. Il n'y a pas Jésus, on peut aller à l'église. Moi, j'ai dit à Jean, si Jésus ne fait pas miracle, je fais quoi avec chrétien? Je ne peux jamais devenir chrétien si Jésus n'a pas eu le miracle de Dieu dans ma vie. Je fais quoi? Je viens à l'église, m'assois pour dire, j'aime le Seigneur, je n'aime pas le Seigneur. C'est ce qu'il a fait pour moi qui m'a amené à l'aimer. Vous dites la vérité aux gens. C'est ce qu'il a fait pour moi qui m'a amené à l'aimer. Je fais quoi lui, me lever matin pour dire, non Seigneur, il est aimé. Comment il est aimé? Il est aimé comment? C'est ce qu'il a fait pour moi. Il dit, attends, je me trompais alors. Bon, lui là, je dois l'aimer à vie. Parce qu'il m'a défendu.
J'ai pu m'asseoir ensemble et nous voler. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Moi, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, j'ai dit. Cadeau, il est malade au Dieu. Vous partez dans un endroit cadeau. Vous avez des cadeaux, hein? J'ai un nom, mon béni. Cadeau, on est. Hein, quoi, hein? Cadeau. Il y a des choses qui étaient dites ici. Mais Satan, que me veux-tu? Je veux prier Dieu. Je veux manger Dieu. Satan, que me veux-tu? Toi-même, tu demandes à Satan, qu'est-ce que tu veux? Je veux te manger. Voilà là. Va te manger. Je veux prier, tu es là. Je veux t'aimer, tu es là. Je veux voyager, tu es là. Satan, que me veux-tu? C'est les chats qui sont vaincus. Satan vient où tu manges, où tu dors, dans le car, dans la voiture. Mais c'est lui qui te possède. La Bible dit, Saül craignait la présence de David. Parce que l'Éternel s'était retiré de lui, il était avec David. Amen. Toi, tu ne peux pas. Oh, il n'y a pas peur de sorcier. Sorcier est qui? C'est un menteur. C'est un menteur, il faut dès qu'il me voit, il commence à trembler. Parce qu'il sait, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en lui. Les gens me demandent quel est ton secret. Je dis, c'est pas rien, Jésus. C'est que mon secret. C'est mon secret. C'est tout. Je dis, mais où est-ce? Il y a quoi encore? Où est-ce qu'ils disent quoi? Je suis pas chez Jésus. Tu n'as pas enseigné. Sorcier est dans la. Il a été bouffé, barbecue, il a été mangé. Abodjama, il va aller chez les brillants. Acheter Abodjama, t'es mangé. Pourquoi la peur? Le jour où Satan commence à être dans ta présence, ça veut dire que toi-même, il faut commencer à te répentir. Il doit fuir. Il doit fuir loin de toi. Frère, chaque mouton a son propriétaire. Amen. L'Éternel est berger. Moi, il est mon berger. Je suis mouton de Dieu. Dieu, il ne mange pas les moutons. Il est béni. C'est lui qui mange les gens, c'est Satan. Donc, si l'Éternel est mon berger, je ne vais pas manquer de quelque chose. Il me mènera dans les verts pâturages. Il restera mon âme. Il me protégera. Amen. Si Dieu est avec toi, il va te protéger. Il y a des gens qui vivent nos funérailles. J'espère qu'ils n'ont pas gêné pour nos funérailles. Ouh, il faut que je gêne. Ouh, les guéris là. Ouh, les guéris sont dangereux. On fait quoi? Puis à part. Je le voyais m'envoyer les messages. Il a fait exprès. Il ne répondait pas parce que c'était quelques jours. Je savais qu'il venait. Il voulait que tu aies pris pour lui. Non, je veux qu'il vive sa foi. Je viens de dire la vérité, non? Je veux qu'il vive sa foi. Les gens qui viennent en Afrique tremblent. Elle a répondu, vous voyez. Le pauvre. Seigneur, le sang de Jésus. Le pauvre dit. Vous finissez son sang. Le sang de Jésus. Je le bagage. Dans l'avion même. Le sang de Jésus. C'est Abidjan. C'est là même ton cœur trappe. Attends. Le sorcier me te voit en Italie. Attends. Où je vais les sorciers? Vite ta foi. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Elle se démontre. Tu es serré. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui a Dieu et puis la peur n'est pas de Dieu. Si tu as peur, c'est qu'il ne sait pas qui est Dieu pour toi. Un pauvre type qui ne sait même pas se brosser, dansant d'adjouvant, c'est lui la peur.
Sa culotte déchirée bizarre. Ça fait fente. On est écossais. En plus, ils sont pauvres. Vous avez Dieu, le grand Dieu puissant, l'éternel, le Dieu des armées avec vous. Vous avez peur d'un pauvre sorcier. Vous tremblez. Je suis obligé. Oh, est-ce que je peux quitter l'aéroport? Attendez. Tu as déjà pris à la. Il connaît que tu es dans l'avion. Quand tu es allé prendre ton billet, là, il sait que tu as pris bien. C'est un sorcier, vous amusez. Mais ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le sorcier. Amen. J'ai dit, le jour où sorcier me tue, Jésus va. J'ai posé plainte contre lui. Parce qu'il m'a blagué. Il va blaguer quelqu'un. Quand vous faites malin devant, allez fumer les narines. C'est Dieu vous avez envie de faire en Afrique, faites ça en Afrique. Construisez vos maisons. Faites des affaires. Narguez-les. Parce que ce qui est en vous, les choses ont changé de temps. Les données ont changé. Vous avez maintenant Dieu. C'est encore vous n'avez pas Dieu, vous venez filmer, ceci. Papa, tu es enfant de qui? Zadie Honoré. Ah, tu es enfant de Zadie Honoré. Oui, Zadie Honoré, ok. Oh, Zadie Honoré, c'est le responsable de la confrérie. Monsieur, le gars, il sent bon, hein. Ah, va aller manger. Viens avant de t'en manger, ma maman. Mais viens qui est venu. Maintenant, tu as Dieu. Celui qui t'attaque, attaque le Seigneur. Amen. Vivez votre foi. Même si un prophète, quelle que soit sa dimension de prophète qu'il a, il est prophète, et puis vient te dire, sorcier va te tuer, et puis donne pas une solution, pourquoi avoir peur de lui? C'est que ce n'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète va te dire, les sorciers t'attaquent, mais voici ce que Dieu prévoit faire pour toi. Il y a toujours une solution. Si sorcier tuait, il était déjà mort et c'est Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je vous invite, vous voyez même, j'ai plus de 5000 vidéos sur Internet. Je vous dis, vous les sorciers, n'est rien. Celui qui dit les sorciers, il n'a qu'à venir marcher, prendre vos avions, si vous voulez, pour venir à Dieu, pour dire, prophète Crasso, moi je suis sorcier, je suis venu te combattre. Ce jour-là, tu vas rendre témoignage. Amen. Je laisse en fait le verset Jean 3, verset 16. Toi, tu es venu me combattre. Tu as un pouvoir. Tu dis oui. Moi, j'ai un pouvoir aussi. Amen. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous avez un pouvoir. Amen. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous avez un pouvoir. Pourquoi vous avez peur de dire? Ce n'est pas fait l'effectif. C'est qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est un pouvoir. C'est l'autorité. Jean, Luc 10, verset 19. Ils ont le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Vous avez un pouvoir. Amen. Moi, j'ai pouvoir. Toi, tu as pouvoir. Moi, j'ai pouvoir aussi. Donc, confrontation, en cas c'est David allait, il s'est confronté à. Oui, allons-y, Goliath, allons-y. Il dit, tu viens avec moi, contre moi, contre Javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Je suis convaincu de lui. Il dit, Salomon de la maison, tu trembles. Ton pied est cassé. Elle s'est fracturée, elle est dans la plate. À quoi les Salomon? Elle s'est réveillée, voici c'est la main de cheveux du lit. C'est la tante. Qui est cassé. Elle a bori. Parce qu'elle est sortie du lit là. On s'est cassé en même temps. Salaman l'a disparu. Salaman n'a pas eu de problème. Mais chez toi, tes pieds qui sont en plate. Je lui ai dit, entre toi et Salaman, qui est vécu? Non, j'ai dormi et puis j'ai vu. La tante, quand elle a fait le cauchemar, je me suis réveillé, je vais la salamandre. Bon, quand tu te lèves là, pourquoi tu n'as pas une sérénité? Et puis c'est la peur qui t'envahit. Ils te feront la guerre, ils ne te. Hein? Ils te feront la guerre, et ils ne te. Vous pensez que vous êtes en Jésus, vous n'êtes jamais attaqué. Vous avez menti, hein? Si vous ignorez l'aspect attaque,
Mais mon œil, vous avez menti, ils vont vous attaquer. Ils vont utiliser toutes les armes possibles pour te nuire. Parce qu'ils savent qui tu es. C'est ça le problème. Ils savent que tu sais qui tu es. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Quand tu commences à t'attaquer, tu dis, Seigneur, mais c'est parce que je suis important. Amen. Et je suis important. Vous allez pas entendre attaquer quelqu'un qui n'est pas important. Est-ce que quelqu'un qui est important, quelqu'un va en parler de lui? Le jour les sorciers commencent à t'escanner, t'attaquer, ça veut dire qu'il y a une destinée, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, qui est en toi, qui a peur d'arriver. Donc, ils commencent, ils veulent brouiller. Et donc, ils créent en toi la frayeur et la peur. Quand tu commences à avoir peur, ils t'attaquent. Pour donner raison aux sorciers. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde, a dit la parole de Dieu. Vous préférez croire quoi, au mensonge du diable ou à la parole de Jésus? La parole de Jésus. Croyez aux promesses de Dieu. Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Si je vous explique les attaques que je dis chaque jour, vous allez me dire, mais attends, ce n'est pas la peine de faire ce travail. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui je suis. Est-ce que vous savez au moins que celui qui vit en vous a vaincu la mort? Mais ça n'empêche pas le diable de t'attaquer. Hein? Si le diable ne t'attaque pas, c'est-à-dire toi, tu es dans son camp. Jésus lui-même, là, il a été attaqué. Satan est venu lui dire, tu vois, comme ça. Même Satan a attaqué Jésus. Pourquoi toi, tu ne veux pas être attaqué? Non, je suis trop attaqué. Mais ça est important. Voici comment. Voici. Ça est important. Chaque jour, m'attaque. Et quand on t'attaque, tu dors. C'est pour bien tracer, tu dois prier pour toi. Si on t'attaque, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Et qu'il y a une promesse de Dieu, fais si ta vie. Tout acte forgé contre toi sera sanctifié. Pourquoi tu dors? Un sorcier qui m'attaquait à Guillaume, il m'a attaqué. Quand il attaque, j'ai rendu témoignage ce jour-là. Je n'ai pas laissé Marie-Charles, Bertin, Brigade, anti-sorcier. Il a foncé sur lui. Il a mélangé mes pieds. Vertige que j'ai eu là. Je n'ai jamais eu vertige comme ça. Ça veut dire s'il est tombé là, dame dans ce cercueil. Et je me suis ressaisi. Il a embrouillé mon cerveau. Il a agité. Puis je me suis ressaisi. Dans les minutes qui suivent, j'ai commencé à dire, toute âme forgée contre moi sera sanctifiée. J'ai commencé, puis je me suis retrouvé. Hein? Et puis j'ai pensé sur le monsieur. Il m'a dit, attends, je suis sorcier, je ne parle même pas mal. Allons-y. Je suis sorcier. C'est qui a envoyé sur toi? Tu n'es pas ton bien mort. C'est pas la peine. Moi-même, là, je sais que tu as gagné. Attends, vous voulez attaquer sorcier, pourquoi ils vont vous attaquer? Ils sont là pour attaquer. Ils jouent son rôle. Pendant que tu dors, lui, il ne dort pas. Sa mamie t'a fait quoi? C'est pour manger? Il veut te dépecer. Il veut qu'il te mange. Donc il t'attaque. Et me regarde, mais tu n'es pas mort. Et mais pourquoi il mourit? Or, ce monsieur, quand les gens meurent dans le village, quand tu commences à construire dans le village, il vient, il te tue. Et vous connaissez les gens de la bêté chez nous, on aime vénérer la mort. On expose le corps, tout ça. Lui, il vient près des cadavres. Et puis il dit, toi, tu n'as pas dit, tu voulais consulter ta maison. Quoi, tu n'as pas fini? C'est moi qui t'ai tué. Lève-toi d'aller consulter ta maison. Comment ça va? Tu vas venir le suivre. C'est toi qui as tué mon papa. Dans le sens. Dans le sens grec. Dieu me laisse sur toi. Lui, tu dis, c'est rien. C'est qu'il n'attend pas, non. On a dit, on a vu une arène. Lui-même vient dire au cadavre, au corps, que c'est moi qui t'a tué. C'est un monsieur que j'ai affronté. Quand il échange, il a foncé sur lui. Il dit, c'est moi, moi, je suis sorcier. Il faut l'essayer. Je ne suis pas venu dans tes trucs là parce que je ne suis pas dedans. Il a raison. Il ne faut pas te mettre dans quelque chose où toi-même tu sais que tu n'es pas dedans. Je ne suis pas venu là-bas.
Mais ce qu'il a vu, il a vu qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est différent de moi. Oh, il y a eu chaud. Hein? Il est trop chaud. Hein? Mais comme Dieu est fidèle, quand il dit quelque chose, il ne lâche jamais. Je l'ai pris. C'est là qu'il a commencé à me dire que lui, à un certain âge, quoi, 15 ans, il a disparu, il est dans la brousse. 15 ans après, il a réapparu dans le village. Il me dit, mais lui-même, qu'il est un diable, n'est pas l'homme. Donc, on le prenait pour un traduit praticien, quelqu'un qui soigne les gens. Oh, c'est diable. Lui me montrait les tombes des gens, il a tué. J'étais très curieux. Moi, je suis très curieux dans les villages. La plupart des tombes, les cimetières, les tombes, là, c'est les sorciers qui ont bouffé plein de temps. Il dit, quelqu'un qui est diable, là. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris lui, là. Et puis, j'ai signé son visa. De la mort éternelle. Amen. Je lui ai dit, tu es mauritanien. Va dans la guerre privée, allez, va. Après, il est parti. C'est fini. Lui-même, là, même s'il était délivré, il en a perdu. Parce que les gens perdent lui. Les villages, vous voyez là, vous-même, vous savez que vous êtes des villages. Comment les gens savent que telle personne est sortie dans le village? Ils savent. N'est-ce pas? Oui, les gens savent. Dans tous les villages, les gens savent lui, il est sorcier. Ils n'ont qu'un détecteur pour savoir que lui, il est sorcier, qu'il n'est pas sorcier. Et on a plus plein de sorciers. Le sorcier, là, c'est moi, il est venu, c'est lui. C'est moi, c'est lui. Mais Dieu, j'ai fait quoi? Viens me saluer. Moi, il t'attend. Ce qui m'a en moi va te détruire. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Dieu? Amen. Qui croit à la puissance de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, c'est vraiment important de réveiller votre foi. Nous avons fini un moment terrible, 3 semaines de prière dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre qu'ils ne sont plus la même personne. Tu dois comprendre que tu n'es plus la même personne, mais tu dois vivre ta foi. Si la main frayait en toi, c'est que tu as un problème. Christ en nous, l'expérience de la gloire. C'est la gloire. Amen. Donc, il faut commencer déjà à savoir quels sont ceux qui... Il faut avoir le discernement. Parce que, frère, pour marcher, pour permettre aux gens d'être dans votre vie, vous devez les connaître. Amen. Amen. C'est très important. Si vous ne savez pas ça, c'est parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit d'attaquer les gens rapidement. Prenez le temps. De toute façon, ils vous étudient là. Étudiez-les. Ce n'est pas un péché. De toute façon, ils vous étudient là. Étudiez-les. Si vous mettez à prier, lui là qui est avec moi, qui il est en réalité? Il est avec moi, il est contre moi. Je vais vous montrer qui il est. Or, s'il est contre toi, il va te détruire. Il est venu pour une mission. Jésus a mangé avec Judas. Et puis, il dit, celui qui a pris le repas après moi là, c'est celui-là qui va me trahir. Il n'a pas négligé ça. Hein? Je m'écoutais un peu. Il avait qui à lui, non? Il n'a pas dit c'est toi. Il dit, mais Seigneur, non, c'est lui, c'est moi. Il dit, oui, tu l'as dit. N'est-ce pas? Il n'a pas vendu. Je lui ai dit, c'est Jésus qui peut faire ça. Si moi, il sait ça, il te chasse. Pourquoi Jésus, il dit, non, puis tu négliges Judas. Il t'a pas vendu. Combien de francs? Amen. Amen. Vos problèmes, là. Ils ne sont pas loin. Ceux qui causent vos problèmes, ils sont juste à côté d'eux. La stratégie de la sorcellerie, c'est le rapprochement. Parce que vous priez trop, donc ça le feu, la suite. Le feu, le feu, le feu. Maintenant, eux me viennent près de vous. Ils s'habillent comme agneaux, ils sont gentils. Or, c'est ton totem que tu as mangé bientôt. Moi, je t'aime beaucoup. Il faut demander aux gens, je parle de toi seulement.
Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, s'il y a un mois, que le mois de septembre, vous savez, il y a des gens qui viennent dans votre vie pour un temps, pour une mission. Et puis, la mission est périmée, qui s'en vont. Vous allez voir qu'à un moment, pour donner, ils sont plus intéressés à votre vie. Il y a des gens qui aidaient le ministère, et puis à un moment, ils ont resté d'arrêter. Mais c'est infini pour eux. C'était juste pour un temps. Il y a des gens qui ont une mission bien spécifique dans votre vie. Et moi, c'est fini. Il ne faut pas les forcer. C'est fini. Le temps, Dieu les a utilisés pour un temps. Et puis, c'est fini. Ne vous prenez pas. Parce que les rencontres, c'est Dieu. Il vient juste pour un temps et puis ça s'en va. Il est là pour quoi? Celui qui parle, il est là pour quoi? Soyez patient. Ayez beaucoup la maîtrise. Vous allez connaître leur visage demain. Parce que celui qui est mieux placé pour te détruire, c'est celui qui te connaît. Amen. Il faudrait que maintenant, là, après un moment de jeûne, vous avez fait tout ça, commencez à être beaucoup vigilant. Jésus dit, soyez prudent. Jésus n'a pas exclu la prudence. Prudence, ça veut dire que je fais attention à tout ce que tu fais. C'est ça, la prudence. Hein? Ça veut dire quand tu poses un acte qui est bizarre, parce qu'il y a des actes, souvent, quand on fait, ça veut dire on fait tellement confiance aux gens que par moment qu'ils posent les actes, ça ne nous dit rien. Or, c'est un message qui est codé. Amen. Quelqu'un vous aime, vous allez savoir ça. Quelqu'un qui a commencé à ne plus vous aimer, vous allez savoir. Il faut réveiller ta conscience. Pour savoir qui est qui tu marques, qui est visiteur. Chacun a une destinée. On n'a pas une destinée commune. Chacun a sa destinée. Il y a des gens qui peuvent marcher avec toi pour atteindre quelque chose. Mais écoutez, Dieu s'adresse à Israël. Il dit à Israël, je veux vous envoyer à... Hein? Parlez ou bien, vous ne connaissez pas la vie. Où coule le lait? C'est une promesse à tout le monde en Égypte, n'est-ce pas? Le monde est content. Devant la mer Rouge, qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Ils ont combien dit? Donc, toutes les promesses, ce n'est pas tout le monde qui pourra ça. Dieu l'a pardonné, il a laissé, hein? Ils sont partis. À un moment donné, il n'y a plus l'eau. J'ai insulté Moïse, vieillard, toi, tout ça. Mais quand vous regardez l'histoire, ils ont fait 40 ans dans le désert. Il y a eu deux personnes de l'ancienne génération, Jésus et Caleb, qui sont rentrés à Cana. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer à Cana et toi. Amen. 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 C'est vrai, moi j'ouvre mon cœur à beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Après, moi j'ai compris. Mais un message très fort du Seigneur vous dit, fais attention à temps. Il faut être patient. Il faut être doux, patient, mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent plus te suivre. Amen. À un moment donné, il y a des gens qui doivent plus rentrer dans ta vie. Amen. Parce qu'ils vont gâter. Yes. Amen. Amen. Vous savez comment ils ont voulu avoir Jésus? Quand ils ont vu l'étoile, ils sont allés près d'Hérode. Ils ont cherché une information. Est-ce que tu sais où est né l'enfant Jésus? N'est-ce pas? Il dit, c'est un pas. Et l'autre, mais c'est un pas qui avait une étoile, tout ça. Il a regardé. On dit, Hérode fut troublé. Qu'un roi vient de naître. Lui-même, il dit, allez me chercher l'enfant. Si vous me trouvez l'enfant, venez, il y a eu l'adoré. Oh, c'était pour tuer l'enfant. Comment une révélation peut perturber les gens? Les gens sont avec toi. Quand ils voient que tu as une promotion, tu es béni, ils sont des souris, hein. Ils ne sont pas contents. Vérité. Ils vont commencer à ne plus se soumettre à toi. Ils vont commencer à être bizarres avec toi. Moi, quand tu t'entends mon ennemi, tu deviens mon ennemi. Frère, chacun a sa manière de voir la vie. Depuis que je suis dans le fait de sorcellerie, là, combat de sorcellerie, j'ai compris une seule chose, que l'ennemi n'est pas loin. Tous les gens qui ont été écrasés, que ce soit dans le coup d'état politique, les vrais ennemis n'étaient pas loin d'eux. Donc, c'est comme ça dans le monde spirituel. Vos ennemis ne sont pas loin. Ce sont ceux qui sont près de vous, qui vous creusent la tombe, hein, qui creusent autour de vous. Vous avez dit, ah, donc lui, là, il était... Si, si, si. C'est parce que tu as fait confiance. C'est ça qui ne fait pas confiance bêtement. Non, tu ne me fais pas confiance. Je te fais confiance, pourquoi? La confiance, ça se... mérite. Ça se mérite. Tu m'as défendu une fois.
Tu es venu me défendre une fois. C'est toi qui dois me prouver que j'ai eu confiance en toi. Même 50% c'est beaucoup. 20% c'est déjà beaucoup. On est ensemble là, c'est déjà beaucoup. Pourquoi c'est à 100% tu veux? Nous les Noirs, on est très hypocrites. Le semblant, on aime bien faire ça. Blanc, il t'aime pas, il te dit, hein, monsieur, je n'aime pas vos têtes. Oh, oh, papa! Oh, celui qui va te manger, Gaba. Maintenant, on a prié, on a attaqué sorcellerie, on a renversé. Les gens, pour des miettes, peuvent vous vendre. Ils sont à vous, mais Satan n'a pas vos ennemis. Pour des petites choses, des chapeaux, des chaussures, ils peuvent vous vendre. Parce qu'ils ne t'ont jamais possédé dans le cœur. Ils sont là pour justement pour quelque chose. Faites attention. Si vous devez devenir grand, vous allez avoir des ennemis. Si vous avez une destinée, vous allez avoir des ennemis. Tu es un collaborateur, il faut savoir qui tu parles. Évitez de confier certaines choses à des gens à qui vous n'avez pas confiance. Ce n'est pas un péché. Il y a l'intuition. Il y a l'intuition. Dieu souvent te parle, mais tu n'écoutes pas. Ce n'est pas parce que c'est un don spirituel, mais c'est l'intuition. Tu vois, puis tu veux, puis tu commences à le douter. C'est l'intuition. Hein? C'est ce qu'on appelle quelqu'un l'intuition. Et vous ne croyez pas en moi? Mais attends, vous ne croyez pas en moi? Parce que là, comme ça. Il y a quand même, Jésus, tu m'as embouté ou bien? Il y a quand même élevé, il y a quand même croire en toi. C'est dans les actes que tu poses. La Bible dit, quand Jésus a transformé l'eau en vin, les disciples ont couru à lui. Et il y a lui, ne croyait pas? C'est Jésus, il y a là. Mais ils ont vu un acte que Jésus a posé. Amen. Amen. Qui a pris son épée, l'a mise à celui? Il faut qu'il le protège, le monsieur. J'ai mon frère, même père, même mère. Je m'en fous de ça. C'est Caïn qui a tué Abel. Abel. Vous avez mon message? Amen. Celui qui croit, qui écoute mon message, qui acclame le Seigneur. Qui... C'est Caïn. C'est Caïn qui a tué Abel. Amen. Amen. Même sang, même père, même mère. Même père, même mère. Même père, même mère. Caïn, Abel, même père, même mère. Il constate que le monsieur. Ah! Faut que je l'élimine. Même père, même mère. Si je vois que tu vas dans le sens contraire de ma manière de faire, je te parle, on ne s'entend plus, on ne doit plus marcher ensemble. Quand deux personnes marchent ensemble, ils doivent voir de la même manière. Si vous ne voyez plus de la même manière, séparez-vous. Non, depuis un moment, on est ensemble, on a grandi ensemble, et donc je vais faire d'elle ma femme, on a souffert ensemble. Or, tu vois, tu sais qu'elle te coûte, elle ne te coûte plus. Séparez-vous. Sinon, demain, vous allez payer ça. C'est pas toi de lui, toi, mais tu sais que lui là, non, il a souffert, on a grandi, on est amis école, on a, c'est mon copain de l'école, mais ça garantit quoi? Toi, tu es basé sur le copain d'école pour le mari. On a vu les gens qui ont été déçus à 40 ans, qui ont patienté 40 ans, qui ont été déçus, tu l'as vu, parce qu'ils ont compris qu'ils ont marché un monstre, qui ont marché une Isabelle. Ne jouez pas ça. Est-ce que tu sais celui à qui tu marches, tu sais qui il est? C'est ça qui nous tue. Blanc, quand ils ont combattu la sorcellerie, ils ont commencé à être, n'est-ce pas, vivre individuel. Blancs, ils ne sont plus famille. Hein. Je ne vous ai pas dit. Ça veut dire qu'il faut couper le téléphone. Oh, nous les Noirs. Il faut qu'elle appelle une parole forte. Puis, eh ben c'est comme, on n'est pas dans la jungle. Toi, mais tu sais que ça a dérangé une fois, tu es parti. Si c'est ouvert, moi, t'appeler. Pour éviter ça, tu coupes. Tu écoutes. Donc, on est comme ça, nous, les Noirs. Que Dieu nous aide. Amen. Ça ne t'arrange pas, tu fuis. Toi, tu coupes, écoutes la parole de Dieu.
on est comme ça, mais nous-mêmes, on est bizarre, des crabes poilus. Amen. Amen. Donc, celui qui est avec toi, il faut savoir qui il est. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Moi, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Amen. Oui, et quand tu commences à comprendre, c'est que tu n'es plus loin de ta réussite. Amen. Amen. Quand tu commences à comprendre que tu ne dois plus marcher, mais pas toi, tu n'es plus loin de ta réussite. C'est que tu n'es plus loin de ta réussite. Le succès n'est plus loin. Ah, lui, là, il fait malin, il est dans son coin. Ce que j'ai vu, là, c'est ce qui fait que je suis dans mon coin. Amen. Blanc, dans son coin, il avance. Il y a eu Blanc qui associe les gens, tout le monde est lui. Comme nous, on est amour, ils aiment vraiment user de ça pour nous tuer. Ils abusent de ça pour nous tuer. C'est comme si on était obligé, c'est pas une obligation. Amen. Amen.